No quiz, worksheet N, question N, express 5 cos of theta plus sin theta in the form R cos theta minus alpha. Alors ici, il y a 5 cos de theta plus sin of theta, les deux formats R cos de theta minus alpha. Ok, alors nous check nos formats. On commence avec cos et la cos là, et que cos c'est une opposé, correct. Alors, ici valait A, les 5, valait B, les n. Alors, pour nous gagner A, il faut une positive square root de S square, 5 square, plus n square, fois cos de theta minus alpha. Nous pouvons gagner l'hypotenuse inverse de B sur A, n sur 5. Alors là, nous évaluons, vous avez une square root de 26, cos de theta minus tan inverse de n sur 5, qui fait 11,3 degrés. Question 2. Ici, on a 3 sin de theta plus root 3 cos de theta, l'égal, nous pouvons besoin faire divine de format, or cos de theta minus alpha. Alors ici, vous trouvez un issue parce qu'il y a un sin là, il commence à sin, mais ici, il y a un cos. Alors, pour nous gagner A et alpha, il est capable de différent avec nos méthodes qui nous peut faire. Là, qui nous fait, l'indien fait divine de sa format là, alors là, nous ne pouvons pas modifier non rien. Mais ici, nous sommes capables de modifier, nous sommes capables de swap ça de TM là. Nous sommes capables de mettre ça de TM là avant, il y a un square root de 3 cos de theta, plus là, il y a 3 sin de theta. À droite, il y a R cos de theta minus alpha. À ça, nous checkons le format. Nous commençons avec cos et la cos là. Et quand cos signe là, l'opposé. À ça, pour nous gagner A, nous pouvons une positive square root de E. Ici, valeur A, les root 3. Valeur B, les 3. Nous pouvons une square root de E ce square. Root 3 ce square. Plus B ce square. 3 ce square fois cos de theta minus alpha. Nous pouvons une tan inverse de B sur A. Tan inverse de 3 sur root 3. Alors là, nous évaluons, nous pouvons une route 12, cos de theta minus tan inverse de 3 sur route 3, il fait 60 degrés. Question 3, ici, 3 sin de theta plus 2 cos de theta, nous pouvons faire divine de format R, sin de theta plus alpha. Alors, nous checkons nos formats. Nous commençons avec sin et sin. Et quand sin, sin reste pareil. Alors, valeur A ici est 3. Valeur B est 2. Alors, ici, R pour une positive square root de E ce square. 3 ce square plus 2 ce square. Fois sin de theta plus alpha pour une tan inverse de B sur A. B est 2 sur A est 3. Nous évaluons. Question 3 ici pour une square root de 13. Sin de theta plus. Tan inverse de 2 sur 3, il fait 33,7 degrés. Question 4. Ici, on a 2 cos de theta plus root 3 sin de theta. Nous pouvons faire divine de forme. R sin de theta plus alpha. Alors, nous checkons le format. On commence par cos, mais on a sin ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous swap ça des TM là. Là, il est correct. Il y a une square root 3 sin de theta plus 2 cos de theta égale à droite R sin de theta plus alpha. Là, nous checkons si tout correct. Commence avec sin et la sin là. R sin, sin là reste pareil. Et nous checkons nos valeurs A, les root 3. Valeur B, les 2. Alors, les pouvons positive square root 2 et ce square, root 3 ce square plus B square, c'est 2 square sin de theta plus alpha. Nous gagnons l'hypothèse tan inverse de B sur A, 2 sur root 3. Alors nous évaluons question 4, nous pouvons une square root 7, sin de theta plus alpha, si nous évaluons, nous pouvons 49,1 degrés. Question 5, ici la square root de 7, cos de theta minus 1 sin de theta. Nous pouvons faire l'évine de format R, cos de theta plus alpha. Alors, on commence avec cos, et on a cos, et R cos, sin à l'opposé, correct.
Alors, valeur A ici de pouvoir nous root 7. Valeur B, fait attention, ce n'est pas négatif n, mais c'est n. Après moins, si nous gagnons valeur B. Alors, A pour venir, positif square root de A ce square, root 7 ce square plus B ce square, n ce square, fois cos de theta plus alpha, devine tan inverse de B sur A, tan inverse de n sur root 7. Alors, nous évaluons, question 5, devine square root 8, valeur R, cos de theta plus valeur alpha, devine 20.7 degrés. Question 6, square root 3, cos de theta minus square root 5, sin de theta. Nous pouvons besoin faire devine dans le format R, cos de theta plus alpha. Ici, on commence à cos et à cos, et sin à l'opposé. Alors, valeur A ici de root 3, valeur B de root 5, R pour venir positif square root de root 3 ce square plus root 5 ce square. Cos de theta plus alpha, il peut venir tan inverse de root 5 sur root 3. Alors, nous évaluons, question 6, il peut venir root 8, cos de theta plus 52.2 degrés. Question 7, il y a 8 sin de theta minus 6 cos of theta. Is equal to R sin de theta minus alpha. Alors ici, on commence avec sin et un sin, et que sin sin reste pareil, tout correct. Valeur A ici de 8, valeur B de 6. Alors R pour venir positif square root de A ce square, 8 ce square plus B ce square, 6 ce square. Sin de theta minus alpha. Alpha ne prend pas. Tan inverse de B sur A, tan inverse de 6 sur 8. Alors, nous évaluons pour question 7, les pouvons 10 sin de theta minus 36.9 degrés. Question 8, ici, on a 7 cos de theta plus 24 sin de theta. Et nous faisons venir dans le format R, cos de theta minus alpha. Alors, format, commence en cos. Et dans cos là, et si en cos l'opposé, valeur A li 7, valeur B li 24, li pou vin positive square root, R li 7 square plus 24 square, cos de theta minus alpha li tan inverse de B sur A, 24 sur 7. Alors là, li pou vin 25, cos de theta minus 73.7 degrés. Question 9, ici on a négatif 12, sin de theta plus 5 cos de theta. Nous pouvons faire les vignes de format R cos de theta plus alpha. Alors là, il y a un petit issue, sin, on commence à sin, mais il y a cos, là qui nous fait, nous swap ça des termes là. Les vignes 5 cos de theta minus 12 sin de theta égale right hand side R cos de theta plus alpha. Alors là, nous observons, les commençons à cos, et dans cos là, et signe opposé avec cos. Valeur A, les 5. Valeur B, ici vous trouvez, valeur B, les 12. Là, le next, pour nous gagner R, devine positif square root de A ce square. 5 square plus B ce square, 12 square. Cos de theta plus alpha, nous pouvons gagner par tan inverse B sur A. Tan inverse de 12 sur 5. Alors, Lipovine, question 9, ici Lipovine 13, R, cos de theta plus tan inverse de 12 sur 5, Lipovine 67.4 degrés. Et question 10, ici on a 12, cos de x plus 5 sin of x is equal to R sin de x plus alpha. Alors, les commence en cos, mais en sin. Alors, nous swap ça des termes là. Si nous swap ça des termes là, il y a 5 sin de x plus 12 cos de x. Right hand side, the R sin de x plus alpha. Alors, ça dit correct, il commence en sin et en sin. Sin là, il est pareil avec sin. Pour gagner R, nous avons une valeur A ici de 5, valeur B de 12,
A pour venir positive square root 2 et ce square 5 square plus b ce square 12 square sine de x plus alpha li tan inverse de b sur a tan inverse de 12 sur 5. Alors ici, il faut venir 13 sine de x plus tan inverse de 12 sur 5 li venir 67,4 degrés.